travail est important. C'est cela que je suis là, à votre disposition. Vous pouvez venir. Quand je suis arrivé, le 26 novembre dernier, j'ai été reçu par le président national du COSIM lui-même, le Cheikh, à son domicile à Abidjan. Avant de venir, je lui avais envoyé une délégation pour lui dire que je venais en Côte d'Ivoire. Je venais en Côte d'Ivoire après 11 années, 9 mois d'absence. Nous tous ici, on sait ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je suis revenu dans un esprit de rassemblement pour que tous ceux qui étaient divisés hier se remettent de nouveau ensemble. C'est une mission que je me suis confiée moi-même. Quand vous êtes dans un pays qui a connu une telle situation, on n'a même pas besoin de vous envoyer. Je suis venu et je fais le tour de la Côte d'Ivoire pour parler à tout le monde, mais aussi surtout pour que les victimes de cette crise-là puissent bénéficier de notre pardon. Le pardon, on le demande, pas parce qu'on est faible. Ça est dans le Coran. Ça est dans la Bible. Après ce que nous avons connu, c'est pas vous qui êtes devenu des présidents. C'est pas vous qui êtes devenu des députés. C'est pas vous qui êtes devenu des ministres. Mais quand il y a un conflit, c'est le peuple qui en souffre. À cause de nous, les politiciens, nos palabres entre nous. C'est pourquoi je suis venu ici, d'abord pour vous passer ce message de paix et profiter de cette occasion pour toujours demander pardon à toutes les personnes, physiques ou morales, qui ont été choquées
par un propos supposé ou par un acte vrai. Je demande pardon à tout le monde. Nous sommes des fils de ce pays. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés, comme la langue et les dents, de vivre dans la même bouche. Notre bouche, là, c'est la Côte d'Ivoire. La seule phrase que je voulais ajouter, m'envoyer à la haie, on dit c'est moi qui ai gâté, non. Donc je suis venu pour arranger ce que j'ai gâté. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est cadeau de Bogli. On y met. On y met. Rejoignez-nous au projet.